Et yo l'équipe, c'est Zaraki, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Vidéo showcase aujourd'hui du tag Goku Badak qu'on a fait également dans le même live, c'est pour ça que vous voyez les mêmes vêtements. Oui, je me lave, hein, vous inquiétez pas, ça peut surprendre, mais oui. Donc du coup, le tag Goku Badak qu'on a showcase dans le même live que Hit, qu'on a fait en premier. Et donc forcément, on a déjà fait les games, c'était un délice, le duo est monstrueux et je l'ai 6 étoiles. Donc imaginez étoile rouge. C'est probablement même, c'est le meilleur DPS du jeu, donc offensivement le perso fait très mal. Des mécaniques très simples avec la jauge, enfin la jauge en tout cas, la barrière d'immortalité qui est pas si forte que ça, hein, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo, mais c'est très facile à counter si l'adversaire se jette assez facilement. Donc le personnage, très bel artwork, hein, c'est un délire. Je l'ai boost d'art, donc il est boost d'art 99, si je me trompe pas dans toutes les valeurs, oui, tout à fait. Et donc au niveau des stats, à 6 étoiles... Ben c'est pas mal du tout, on va regarder quand même à 14 histoire de donner un petit avis. Alors j'ai pas fait la présentation du personnage, il n'y a pas spécialement besoin en termes de kit. C'est un tag, donc tu as des couleurs différentes, mais c'est exactement le même tag que le tag Goku Freezer. C'est-à-dire qu'on a les deux couleurs sur le perso, donc en gros, que ce soit des caps Z Zenkai, Saiyan vert ou Saiyan bleu, ou alors famille Goku bleu, vert, ou alors... équipe Badak, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, enfin bref, vous avez compris. Le personnage va prendre toutes les capes Z Zenkai par rapport aux deux couleurs et aux tags des deux persos. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Vous voyez, les stats à 14, c'est quand même un sacré délire. Donc, on va le jouer dans cette team-là avec Gohan Beast en leader, triple cap Z Zenkai sur le perso. Également Paikwan dans la team qui a un revive et qui a un support. Donc là, on a double support sur la tête du tag Goku Badak, c'est pas la meilleure team à jouer avec le tag Goku Badak, vaut mieux mettre Migaté Ultra selon les étoiles en leader. Et là tu enlèves une cape Z Zenkai bleue pour mettre tout simplement le Badak LF Zenkai, donc le jaune, pour avoir la cape Z HP sur ton leader, donc le Migaté. Et également le tag Goku Badak parce que tu as un Badak, tout simplement. Donc Paikwan va perdre la cape Z de points de vie, mais il prend la cape Z Saiyan de Badak Zenkai. Donc en vrai ça fait une très belle team que je vous conseille et qui va également donner la Z Zenkai à Migaté Ultra. On testera, j'attends juste le 31 décembre pour le raid avec le Bonanza qui va être très intéressant pour renforcer nos items. C'est parti pour le game. Ouais, celle-là m'a l'air vraiment pas mal pour le coup. Allez, c'est parti mon pote. 10 étoiles le Migaté. Parfait. Ce perso, mon dieu, en termes de dégâts. Il y a un mort là. Hein. Quoique pas sûr. Attends. Ok, bien joué. C'est ça de jouer au con, frérot. Ah, ça, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Ok. Ah, j'ai laissé le son de la musique du jeu. Un peu con, là, pour le coup. Ouais, bah. Force à lui, hein. Force à lui. Vraiment, force à lui, hein. Celle-là, on prend matin, midi, soir, nuit. Elle est magnifique, cette game. C'est parfait. En plus, elle est étoilée. C'est ce qu'on veut. Ah, il a Wagon Beast, bien joué. Fallait oser, mais c'est bien joué. On va le laisser. Assez agressif en face, j'aime bien. Bon, pas fini, Guan. La main, logique, spé, icon. On peut aller chercher le support là, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'il passe à travers les blasts, ce bâtard.
Ah ouais, mais il lag en plus. C'est bien joué. Ok, donc là, il a proc immortalité. Et là, vu qu'il pouvait pas le transfo... Par contre, c'est vrai que là, dans ce genre de... Et ouais, vous voyez, il lag, c'est chiant. Dans ce cas de figure, c'est vraiment fort. Bon, le combo est très long, hein. L'aspect va pas faire de dégâts. Et encore que... Ah mais comme ça lag. Je vais péter un peu. On a les 15%. Hein. L'aspect ici. Son Gohan fait très mal. Hein. C'est mal Gohan. Faire le revive. Donc même si on n'a pas de cap ZHP dans la team, ce qui est bien ici, c'est que on a un revive quoi. Et l'immortalité. Tous les malus qu'on lui a calés. Vous savez qu'il allait me rising en fait, c'est pour ça. Là, je sens qu'il va vouloir rising. Je vais switch. Parce que si j'ai rising, je pense qu'il va... Faut que je peux rising, en vrai. Ah, voilà. Je savais qu'il allait switch. Donc, je voulais envoyer Paikwan pour pré-shot le switch. Et le taper. Bon, voilà. Du coup, ça a fail, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai raté mon move. La première idée était la bonne. Bien joué, je pensais pas qu'il allait attaquer direct. De toute façon, Gohan, c'est quelque chose, hein. On arrive à tenir quand même. Parfait. On va attraper direct. Il va envoyer Trunksu. Parfait. Excellent. Ça c'est bien joué. Ah, il va attaquer. Non, c'est bon, ça va. C'est pas gagné encore, hein. Il peut nous faire un V3. Ouais, ça c'était sûr. Tag est quasiment mort. Ah oui, c'est vrai qu'il nous avait contré le Rising, hein. J'avais oublié ça. Bon, c'était sur Trunks, donc un peu aux F, mais c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Ah, bien joué. Aïe, aïe, aïe. Ok, bah c'est win là. Hein. Bah, je dis que c'est win, mais... Bon, j'étais obligé de rising. Parce que malheureusement, mon Gohan Beast manque de vitamines. Non, mais j'ai vraiment pas de chance, frère. C'est une dinguerie. Bon,
On se sera fait double counter, mais c'est passé. Game assez intéressante quand même, parce qu'on avait une team qui était bien étoilée. On a réussi à un petit peu mettre en avant le tag Goku Badak. Et il est que 6 étoiles, donc forcément, bah, full 14, vous laisse imaginer la dinguerie que ça peut être. Donc, masterclass. On va évidemment la prendre. VBU 14 et Rosé 12. Ça c'est... Par contre, Gatai, qu'est-ce que tu fais là? Bon, je pense qu'elle est juste là pour les malus quand il meurt. Je suppose. Mais globalement, la team, elle est sexy. Tu la sens là? Ouh là là. Ouh là 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 là. Rappelons que je l'ai 6 étoiles. Hein. Ça va être le point à rappeler. Allez, Badak! Ne bug pas. Mais non, mais tu... J'ai dit ne bug pas. Là, tu bug. Yo, Trunks. Non, j'ai pas rosé, mais j'ai Trunks. Alors, je vais faire la game et on voit ça après. Mais frérot, tu m'as pris pour un amateur ou... Lui, il s'est dit, bon, je vais la... Oh là là, putain. Je voulais le... Je pensais que j'avais le temps de le transfo, mais non. Ah, là, c'est peut-être la mort, à part s'il... Ça va. Heureusement qu'il y a la réduction du délai de mise en attente. Sinon, là, c'était la merde. Yo, Elliot, comment ça va? La musique, c'est l'OST de Trunks DBZ. C'est ironique. Oh là 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 là. Bon, réveille-toi. Tu fais de la D là. Raté ça. Parfait. Putain, qu'est-ce qu'il a fait de la D là, heureusement. VBU est 14, ça va être le moment de le mettre en avant. Bien joué. Yare, yare. Ça, c'était pas mal du tout, ça. Je vais le laisser, là. Je vais le laisser. Non, mais... Je tombe trop facilement dans le panneau. Vas-y. Là, j'aurais dû gérer... bien mieux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les gars, et j'en parle au niveau de cette vidéo... L'immortalité, c'est vraiment pas si fort que ça. Parce qu'en fait, si t'arrives à break, que l'adversaire en face, il a par exemple une open safe, que t'as pas le rising, que tu peux rien faire, le truc, c'est que derrière, l'adversaire, en fait, il te casse, on va dire, la barrière, quelque part. En immortalité, elle est cassée. Et du coup, de ce fait, bah, c'est beaucoup moins fort. Ok. Ah là, je fais vraiment de la D. Faut pas que VBU revienne. Je pense qu'il va revenir. Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, on va pas mettre en avant Gohan Beast, hein. Je pense que... Bon, là, c'est fait. Parfait. L'aspect. Les dégâts sont vraiment propres, hein. Parfait. Pour du 6 étoiles contre du 14, franchement, c'est un délire. Bon, là, forcément, il va camper. On va le laisser, on va le laisser.
est en train de me tilt là. Ah là c'est win, hein. Rosé 12 étoiles, hein. Et je peux même pas faire step. Je peux même pas faire step, les gars. Ah, ça y est. Le tag, hein. Le tag. Bon, j'avais du mal un petit peu à la fin. Bon, vous voyez, j'avais du mal à charge step et tout. Il y avait quand même quelques manques de fluidité, mais ça allait. Ça restait quand même jouable. Et le tag Badak, 6 étoiles contre des persos 12-14. Bon, bah, à un moment donné, voilà, offensivement, c'est la meilleure carte du jeu. Maintenant, il y a quand même des défauts en termes de team. Mais si vous jouez cette team-là, ou alors avec Migaté Ultra à la place de Gohan Beast en leader, et vous mettez le tag Goku... comment il s'appelle ? Le tag, pardon. Vous mettez le Badak Zenkai, vous avez une cape d'HP qui marche sur Migaté et qui marche aussi sur le tag Son Family. Et donc forcément, bah, c'est très fort. Et là, on le voit, hein, 6 étoiles. Imaginez quelqu'un qui l'a 9, 10, 12, 14. Le perso est trop fort, et puis des mécaniques très simples comme le pun safe, l'anti-cover, voilà, le switch avec les différentes couleurs, enfin c'est un délire. J'ai bien envie de la prendre celle-là, c'est la même team que tout à l'heure, sauf que... Et vous voyez, encore une fois, je me répète, hein, mais Gohan, tu le croises H24, il est avec Pan. Il est avec Pan. Et il a double minimum, c'est double Zenkai, et là il en a 3. Et double support sur la gueule. De toute façon, Gohan Beast se joue comme ça, hein, donc... Voilà. Moi, je pense qu'il va bien vieillir, Kamal. Il va bien vieillir, moins bien que GBU, ça c'est certain. Oh mon dieu. Il a de la chance que j'avais que des blasts en main. Ah là, force à toi. Hein. Le MVP était je sais pas combien d'étoiles. Reset combo. Non mais c'est ce perso. Mais ce perso. Mais regardez-moi ça. Mais c'est la définition du plaisir. Quel plaisir. Putain mais ce perso mais... Là, c'est un petit peu dommage. Mais c'est normal en fait. Les open safe avec ce personnage. Mais c'est une singerie. Mais t'es mort. Mais là, il y a un mort là, non? Il est mort, MVP là. Ah, peut-être pas. Non, si. Heureusement qu'il réduit, hein. Heureusement qu'il réduit. Il a pas de côté là, non? Non, bien joué. Très bien joué. Le perso, il est là pour détruire. Je vous jure, les gars, il est incroyable ce personnage. Il est incroyablement incroyable. Ok. On va le laisser. 5 DBS, 14, 7. Ah ouais, ok, ouais. Attends, mais là on part. Bah, ça passe, ça, non? C'est à moins qu'il rising, je crois que ça passe. Ouais, voilà. J'ai dit à moins qu'il rising, et du coup, ce qui est bien, c'est que là, il a gaspillé son rising dans l'immortalité. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, faut faire attention à Beast, parce que si Beast transfo enlève la TP, on prend une SP, on est mort. Hein. Faut quand même faire attention et pas jouer au con. Donc, vous voyez, là, on a l'immortalité qui proc. Sauf que là, bah, il a que des cover blast. C'est incroyable. Ce perso est incroyable. Bon, il a compris que ça servait à rien de... Bon, là, faut pas que je joue trop au con non plus. Le break est bien géré. Pour risquer pour moi de laisser le personnage. Hey, Gohan.
Oh là 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 là. Là, ça commence à être un petit peu plus dur. En fait, là, si transfo, je transfo. Comme ça, moi, il n'y a pas de chichi. Ah, je vais transfo, en fait. Comme ça, je vais le pousser à transfo aussi. Vas-y, transfo. Ah, ça commence à jouer très passif, là. Et l'anti-cover. Parfait. Alors là, il s'est... Bah, en fait, il vient de se fail. Il s'était pas fail, là, il jouait très bien. Bon, il avait pas le choix de jeu passif, hein, mais... Là, il va transfo. Voilà. C'était sûr et certain, il avait pas le choix. Pour m'enlever la TP, prendre vite un personnage. Parce que nous, on est resté... Ah, ça fait chier. Bon, il aura fait sa game, le perso. Il aura même été très impressionnant. Et malheureusement, là... Non, il avait l'aspect. Je vous jure que... Ah, c'est passé. Ouh, j'ai eu chaud. J'avais tenté le One Tap Rising, mais il avait l'aspect. Ouh là là, c'est pas passé loin. Je vais pas me faire counter encore. Ça va. Bon, c'est pas passé loin. L'adversaire avait quand même... Et vous voyez... Je sais pas si vous remarquez bien les choses. Au départ, j'ai mis beaucoup de pression avec le perso, mais j'ai pas pu tuer. Ça, c'est par manque d'étoiles. Si j'avais le tag Badak plus étoilé, on va dire à hauteur de son MVP, mais son MVP, il était déjà mort au moment où je l'espé, et il lui restait que ça. Donc, c'est toujours une question d'étoiles, ce jeu, hein, malheureusement, mais on va le PZ. L'objectif, c'est de l'avoir 9 étoiles d'ici peu. Donc là, on va récupérer les 600. On va récupérer les 200 de couleurs. Il y aura les PZ LF qu'on aura dans les sacs du Nouvel An. En vrai, il y a moyen que je les 8-9 à la fin de la célèbre. Parce que là, il est à combien, là? Je crois que j'ai 100, déjà. Ouais, il est... ouais, je suis à 1300 de l'avoir... De l'avoir, donc, 8. Donc, ouais. Ok, il y a moyen. Il y a moyen. Bon, dernière game du showcase du tag Badak qu'on va refaire. Hein. On va refaire des showcases avec le personnage. Notamment avec Omen Ultra. Alors, le problème ici... C'est vrai que Migaté va être chiant, là. Ouais, Migaté va être chiant. Mais il y a moyen de le mettre en avant. Et, très important à préciser, mon unité, elle est 6 étoiles. Regardez les étoiles en face. Et Chouikaze. Putain, on voit encore des GBU, c'est un truc de fou, hein. Ça, c'est un truc qui me dépasse, hein, vraiment. Ce perso, il a... Enfin, c'est un truc de fou. Il a quand même eu un... Une sacrée carrière, hein, dans BDL. Ah, bien joué. Bah là, j'ai peur de revive direct. Ah, quoique... Regardez comme il joue. Attendez, mais il charge peut-être même pas. Il charge step même pas? What? Mais dans quel monde? Pardon? Mon père de revive là, c'est chiant, mais... Et il a migaté 12 étoiles, mais il faut pas donner migaté à des joueurs comme ça. Donnez-moi migaté à moi. Il mérite pas, lui. Non mes frères, c'est pas possible. Ça c'est très bien joué par contre. Ça pour le coup c'est très bien joué. Mais frère, il ne charge peut-être même pas. Mais je vais péter un câble. Ah c'est parce qu'il a des persos qui le carry. Mais c'est quoi ce gameplay? Mais je vous jure, il joue. Mais c'est quoi ça?
Mais ouais, mes frères, mais c'est normal à un moment donné. Bon, là, je devrais Rising. Hein. Précise quand même. Je devrais Rising, mais vas-y. Vous connaissez, hein, la gourmandise. On l'a entendu, le petit. Ah. Eh ouais, mais ça, c'est prévisible, cousin. Ça, c'est prévisible. Bon, vu que tu es un attardé, je vais envoyer le... Là, j'aurais dû Rising, Spé avec Beast. Voilà, t'as compris. Hein. C'est quoi ce gameplay en face? Les gars, je vous jure, c'est un truc de fou. Hein. Ben là, tu perds le perso. L'open safe, ça reste vraiment le truc le plus débile du jeu. Ah, mais là, du coup, je suis mort, là. Ah, ben non, je suis bien. Attends, je vais proc sa mécanique. Parce que là, j'ai l'immortalité. Donc là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Il a chip pas. Il a compris le concept du jeu, ou... Les gars, je vous jure, je suis pas quelqu'un qui me moque, hein. Mais là, là, il se fout de ma gueule, là, en face. Mais tu te fous de ma gueule. Non, mais les gars, je vous jure, j'ai... En fait, limite, ça me trouble. C'est quoi, ça? Il va te investir. Bon, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vous jure, les gars, il est incompréhensible. Et c'est pour ça que ce PVP est mal fait, qu'il était beaucoup mieux celui avant. Parce que... Je dis pas qu'il est forcément nul, hein, mais du coup, c'est incompréhensible. Mais ouais, bah ouais, bah ouais. Force à toi, hein. Force à toi, frérot. 6 étoiles contre du 12. Allez, mange ton LF et laisse-nous tranquille. Bon, dernière game, on termine avec un LF. Gameplay très douteux, adverse. C'est vrai que l'adversaire, c'était quelque chose. Bon, le LF est sublime, hein, rien à dire. Rien à dire. Et puis, bah, globalement, très content de ce showcase. Hein. Le tag aura fait de très belles choses à 6 étoiles. Donc maintenant, on va le PZ. Parce que le perso est trop plaisant. Vraiment trop plaisant à jouer. Donc voilà, des mécaniques très simples, mais l'immortalité, c'est pas si fort que ça. Surtout face à Beast. Beast, il peut très vite counter cette mécanique. Il suffit de ne pas avoir transfo le Beast. Tu reset ton combo avec la transfo. Tu fais péter la jauge, en fait, la barrière, quelque part. Tu te payes, il est mort. Donc c'est un point qui est quand même assez dommage pour le tag. Mais bon, c'était quand même bien pété. Voilà, et puis avec PyCon, en plus, on a deux mécaniques défensives, donc... Donc voilà, prenez soin de vous l'équipe, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas un maximum de pouces bleus et le petit commentaire. Ciao, ciao la team.